Cora Félicité. Je m'appelle Cora Félicité Owonam Fege, je suis professeur à l'université de Yaoundé et je suis ambassadrice de l'Union africaine pour la paix. Je suis par ailleurs spécialiste des affaires électorales, leur classe pour l'ONU et l'Union africaine. C'est un plaisir pour moi que d'être aujourd'hui parmi vous pour ce qui s'annonce comme une conversation passionnante entre cinéastes et universitaires africains. Est-ce que tout le monde est là ? Nous sommes là. Parfait. Nous avons aujourd'hui parmi nous Samira Veracruz du Cabo-Verde, Jean-Pierre Bécolo du Cameroun et Emeka du Nigeria. Nous allons d'abord, si vous le voulez bien, faire les présentations, puis nous présenterons le thème de notre conversation. Nos débats seront consacrés à la question de l'identité culturelle, de l'appropriation et à l'évolution des mentalités. Nous avons une heure devant vous. Je vous propose donc de prendre 5 minutes chacun pour vous présenter, puis nous entrerons en matière, si cela vous convient. Très bien, est-ce que je commence ? Je m'appelle Samira Veracruz, je suis cinéaste, je suis cabo-verdienne. J'ai réalisé et produit 2 courts-métrages, une fiction et un documentaire. J'ai également réalisé 1 long-métrage pour lequel je n'ai eu aucun financement, cela semble incroyable, mais nous y sommes parvenus, ici au Cabo Verde. Je coordonne par ailleurs en ce moment les réseaux cinématographiques et audiovisuels des pays lusophones d'Afrique. L'idée, c'est de faire évoluer la situation du cinéma dans notre région. Il s'agit de faire émerger un environnement plus juste, plus dynamique pour les cinéastes de nos régions. J'enseigne également dans plusieurs universités du Cabo-Verde. J'enseigne essentiellement l'écriture de scénarios et la post-production. Très bien, enchanté, bienvenue Samira. Jean-Pierre Bécolo, si vous voulez bien vous présenter. Je m'appelle Jean-Pierre Bécolo Obama. Je suis cinéaste camerounais. J'ai une assez longue carrière derrière moi. J'ai enseigné aux États-Unis à l'Université de Caroline du Nord, à Chapel Hill, et à l'Université Duke. J'ai aussi fait des expositions, des longs métrages, de la science-fiction, des comédies, des séries télévisées. Voilà, en somme. Merci. Merci de cette brève présentation. Passons à Monsieur Emeka, c'est Jean-Pierre Affini. Volontiers, je m'appelle Ed Emeka Kizor, je suis essentiellement historien, mais j'utilise le cinéma, en particulier le documentaire, comme moyen d'expression. Mon travail vise en somme à déconstruire certains mythes de l'histoire africaine. Il s'agit de faire émerger certains récits passés sous silence. À ce jour, j'ai produit 7 films, au rythme d'un par an, précisément depuis mon premier film en 2014. Nous avons eu la bonne nouvelle hier. Notre film est candidat aux AMA. Nous avons remporté plusieurs prix du documentaire. Le dernier film primé est un documentaire consacré à la guerre du Biafra. Notre but, c'est de mettre à jour la véritable histoire de l'Afrique, de faire évoluer les récits dans la mesure du possible, tout en restant fidèle à la vérité des faits. Voilà en somme qui je suis et la raison de ma présence aujourd'hui. Très intéressant, je vous remercie. Avant de passer à la suite, je vais peut-être retracer un peu le contexte de nos conversations. En 2021, l'Union africaine a tenté de mettre à l'honneur le thème art, culture et patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons. C'était même d'ailleurs l'un des principaux thèmes
de la 34e Assemblée des États membres de l'Union africaine. Nous voulons entendre vos expériences de cinéaste, d'universitaire. D'ailleurs, certains d'entre vous avaient les deux casquettes. Ce que nous voulons savoir, c'est, à votre avis, comment est-ce que les arts, et en particulier le cinéma, peuvent-ils contribuer au développement pour l'Afrique? Comment les mettre au service du développement économique? Peut-être y a-t-il des éléments de réponse dans votre carrière, dans vos films? Peut-être vos films ont-ils inspiré des changements politiques? J'ai bien vu, par exemple, la biographie de M. Bekolo et M. Emeka, vous êtes historien. Votre travail est donc porteur de toute une réflexion. Nous venons des quatre coins de l'Afrique. Comment construire quelque chose pour notre continent? Je vais peut-être commencer par M. Emeka, d'abord. Je m'excuse, je ne vous ai pas entendu. Le son s'est coupé un instant, j'ai raté la fin de votre phrase. Je voulais simplement lancer le débat. Comment utiliser l'identité culturelle au service de notre continent, l'Afrique? On peut en parler de plusieurs points de vue, d'un point de vue économique, politique, social. Vous pouvez vous inspirer de votre expérience, vous êtes historien, vous êtes écrivain. Quelle est votre perspective? Compris. À vrai dire, si j'ai choisi le cinéma pour faire passer l'histoire, c'est pour une raison très simple. Je pars d'un contexte précis, celui du Nigeria. La culture littéraire, la lecture, ont beaucoup pâti de la situation économique qui dure depuis 31. On avait donc une culture de la lecture bien établie, vieille même de plus d'un siècle. Et dans le Nigeria moderne, cette culture s'est perdue. La révolution des médias sociaux, fait du film l'un des principaux moyens de transmettre des connaissances à celles et ceux qui avaient perdu ce lien à leur culture. C'est un grand pouvoir, mais c'est aussi une grande responsabilité. Pour reprendre ce qu'a dit Fela Kuti, qui est l'un de nos musiciens les plus renommés, l'art n'est pas qu'un divertissement. Même le type de performance art qui se fait en Afrique, il ne s'agit pas simplement de divertissement, il ne s'agit pas simplement de faire sourire. La musique et la danse ont toujours été une forme de mémoire, d'enregistrement des sursauts de l'histoire, de transmission des événements aux prochaines générations. L'étape actuelle, c'est donc une phase dans l'histoire des conteurs africains. Par conteur, je veux dire non seulement la fiction, mais aussi toute la tradition des griots. Le film, c'est donc l'un des principaux moyens de faire circuler l'information. Je vous l'ai dit, c'est un grand pouvoir, c'est aussi une grande responsabilité. Le cinéaste a la responsabilité, même lorsqu'il fait de la fiction, de transmettre une histoire, de transmettre une vérité, pour ainsi dire. Il faut qu'il pose les grandes questions compte tenu du contexte africain. En tout cas, c'est ma démarche. Merci, Emeka. Voyons voir s'il y a d'autres avis. J'aimerais savoir ce que Samira pense de cette fonction du film de transmission de l'information et de transformation de nos sociétés. Je suis tout à fait d'accord. Nous faisons tous des histoires, nous racontons tous des histoires. Nous faisons tous partie du même continent, même si c'est vrai qu'on vient du quatre coins du continent et on ne peut pas oublier que c'est un grand continent avec ses différences. Mais en somme, nous racontons tous des histoires, nous avons tous quelque chose à dire. Vous l'avez dit, le cinéma, ce ne sont pas que des belles images. Aujourd'hui, on est à l'ère du smartphone. Tout le monde peut faire de belles images, mais pour raconter quoi? Quel est le message? Qu'est-ce que vous voulez partager? Quel est le but de votre film? Qu'est-ce qui vous pousse à filmer? C'est une question fondamentale. Je viens, moi, du Cabo Verde, et nous sommes un pays de métissage. Et donc, on part de questions
qui se posent à nous des questions sur notre identité. Où est-ce que nous nous plaçons? Nous sommes des habitants des îles, nous sommes nés de l'hybridation, nous avons toute une histoire derrière nous. Il y a une histoire que l'on enseigne à l'école, mais il y a aussi toutes sortes d'histoires qui se sont perdues. L'histoire des Fulbés, des Mandiacos, ceux qui ont été amenés ici contre leur gré. Et en fin de compte, c'est toute une histoire qui se perd. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une très grande responsabilité. Il y a toutes sortes d'histoires à transmettre, et le cinéma est une façon d'en parler, de contribuer au débat sur ces questions d'identité. Par exemple, j'ai toujours beaucoup tenu à filmer en créole, pas en portugais, pas en français, pas en anglais. La langue, pour moi, c'est un moyen de communication, c'est vrai, mais c'est aussi une composante de notre identité. Pour moi, c'était donc important de tourner en créole pour montrer toute la diversité de notre pays, tous les différents types de peau, de corps, tous les aspects de la diversité, tous les genres. Le cinéma, c'est donc un outil essentiel. Ça fait évoluer la société, ça nous permet d'évoquer les questions d'identité et autres, bien d'autres choses encore. Merci Samira. Je vous remercie de nous faire part de cet enthousiasme. Jusqu'ici, nous sommes tous d'accord. Peut-être Jean-Pierre n'aura-t-il une perspective un peu différente? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, Félicité. La première chose que je voulais dire, et ça vient peut-être du fait que je suis le premier Africain qui a fait de la science-fiction. La science-fiction, c'est surtout de la spéculation. Il s'agit de poser des hypothèses, d'envisager des choses qui n'existent pas encore. On fait naître une réalité, en somme, qui n'existe pas encore. L'enjeu pour l'avenir, pour la jeunesse, c'est de parvenir à réaliser ce qui est encore invisible. Pour produire une voiture, il faut d'abord l'idée d'une voiture. Le cinéma, c'est une ouverture, ça rend présent l'intangible, ça donne corps à ce qui n'existe pas encore. J'ai l'impression que nos jeunes, nos concitoyens sont prisonniers du réel. Ce que je veux dire par là, c'est que on sait bien que le réel n'existe pas vraiment, n'a aucune consistance en tant que tel, que c'est par la croyance qu'on le fait cristalliser. Le cinéma a donc la capacité d'aider une nouvelle génération à se projeter sur l'Afrique qu'ils veulent voir. Il y a autre chose encore. C'est une idée à laquelle je travaille depuis 2 ans. J'appelle ça le cinéma thérapeutique. J'avais commencé d'y réfléchir avant le coronavirus, donc rien à voir avec la pandémie. Donc un cinéma thérapeutique. Les Africains, nous sortons du traumatisme de la colonisation. Par exemple, les produits décolorants. Le blanchissement, c'est le signe d'une honte. Nous avons honte de nous-mêmes, honte d'être noirs. Le blanchissement, c'est une pratique très répandue sur le continent. Le cinéma peut donc poser toutes ces questions. Tout ce qui a à voir avec le manque d'amour-propre. Les auteurs de fiction créent des personnages auxquels les gens s'identifient, ils souhaitent leur ressembler, ils s'en inspirent. Ça n'a d'ailleurs rien à voir avec les qualités morales du personnage, on peut même s'identifier aux méchants. Le cinéma, c'est donc une sorte de dispositif. Un dispositif qui peut nourrir l'amour-propre. Mon idée de cinéma thérapeutique est la suivante. On part d'un traumatisme évident. Pourquoi est-ce que les enfants, à votre avis, aiment tellement les super-héros? Eh bien parce qu'ils sont petits, ils sont faibles, ils vivent dans un monde d'adultes qui est très intimidant. Et c'est le cas, certes, des enfants, mais aussi de tous ceux qui ont subi des traumatismes. Pour paraphraser Boris Cyrulnik, c'est l'idée du héros réparateur. La fonction de ce héros, c'est de combler un vide, parce que le traumatisme, c'est comme une crevasse. Il faut sauter
d'un côté à l'autre sans tomber. L'important, c'est de voir que le cinéma a donc cette fonction-là. Et c'est une théorie d'ailleurs que vient confirmer le film Black Panther. Le public a plébiscité le film, le public noir a beaucoup aimé le film. Et ce n'est pas une question de véracité, c'est que simplement cela nourrit l'amour-propre. On a beau dire, on vit encore dans un genre de complexe d'infériorité qui nous a été infligé par le colonialisme. Voilà donc un autre aspect des choses. Dernier point, mais c'est presque une parenthèse. Le cinéma attire beaucoup de monde, beaucoup de gens souhaitent s'y consacrer, ils veulent faire des films, mais quel serait le débouché? Je réfléchis toujours à Boko Haram. L'année de Boko Haram, des milliers de films sont sortis au Nigeria. Et aucun de ces films n'a vu le phénomène venir. Parmi les milliers de films qui sont sortis au Nigeria, aucun n'avait montré Boko Haram. Si le cinéma s'avère incapable de montrer ce qui l'entoure, c'est potentiellement dangereux. On a un cinéma qui fait écran, qui fait diversion, qui fait divertissement. Faire diversion, c'est faire regarder à gauche alors que l'important se passe à droite. Il faut se méfier du cinéma s'il devient une distraction, un divertissement. C'est parce qu'alors, quand un phénomène comme Boko Haram se présente, tout le monde regarde d'ailleurs. Et donc le cinéma dévoile, doit dévoiler, doit agir comme un révélateur. Je vous remercie Jean-Pierre. Moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. Votre comparaison d'ailleurs avec Black Panther est particulièrement révélatrice. Les films s'appuient sur un imaginaire, mais ils fonctionnent aussi sur le plan de la conscience collective. Et donc le cinéma peut aller de pair avec l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il s'y pose toutes sortes de questions liées à la mémoire. Samira nous en dira peut-être plus. Elle a fait un film, un thriller psychologique. Et ce film pose précisément le même genre de questions. J'aimerais savoir concrètement le rapport qu'il y a entre ce film et nos débats d'aujourd'hui. Mais cela dit, dans nos débats d'aujourd'hui, il faut bien voir que l'on s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce sont deux choses qui vont de pair. Le programme est assez simple. L'ambition de l'Union africaine, c'est de promouvoir la liberté, le progrès. Mais cela, on en parle depuis les années 60, depuis les indépendances. Donc, revenons aux questions concrètes. La première partie de nos échanges était un peu abstraite. Chacun peut présenter sa manière d'envisager les choses, son univers. Mais revenons au concret. Comment, selon vous, le cinéma peut être un catalyseur de développement socio-économique ? Vous êtes cinéaste, vous vous organisez, vous participez à des festivals. Ces festivals sont source d'emploi, ce qui est nécessaire. Donc, dans un deuxième temps de notre conversation, la question que j'aimerais que l'on se pose, c'est de savoir comment est-ce que les films peuvent être mis au service de la transformation économique. Commençons par Emeka, puis nous poserons la question à Samira et à Jean-Pierre. Volontiers. Le Nigeria, c'est un bon exemple d'utilisation des films comme catalyseur économique, comme catalyseur de croissance. Il y a certes des dysfonctionnements, des aspects négatifs de Nollywood. Je vous promets que Nollywood a ses détracteurs dans le monde culturel nigérian. Jean-Pierre l'a dit, Nollywood n'a pas réussi à repérer certains grands événements sociopolitiques qui ont eu un impact non seulement sur le Nigeria, mais sur l'ensemble de la sous-région. Enfin bon, je m'écarte du propos. En fin de compte, à la fin du premier confinement, on a vu sortir un documentaire, un long métrage plutôt. C'était l'un des premiers films à l'affiche. Ça s'appelait Homo Ghetto. Et ce film a remporté, a récolté près d'un demi-milliard de naira.
Jean-Pierre et moi, on est la gauche caviar, on se pose naturellement des questions. Mais c'est une industrie qui donne du travail à des milliers de personnes. Ça fournit de l'emploi, mais il y a aussi des retombées indirectes qui profitent à près d'un million de personnes au Nigeria. Certains travaillent dans l'entretien, dans la logistique, etc. C'est un secteur qui brasse des millions de dollars. Nollywood, c'est donc un cas d'étude parfait. Ça a surgi presque de nulle part. C'est comme prendre un pépin d'orange, le jeter, revenir 6 mois plus tard et voir qu'un arbre a grandi. Donc, effectivement, il y a un catalyseur. Mais la question est de savoir comment procéder. Est-ce que cela peut être démocratisé? Soyons honnêtes. On ne peut pas attendre éternellement les financements des États-Unis ou les subventions de la BFA. Et par où commencer? J'ai assisté à un séminaire, un webinaire plutôt, ce week-end. On y a parlé de l'utilisation des médias au service du développement national. Et là, on a cessé de brasser du vent, on a parlé de choses très concrètes. Ce que l'on constate, c'est que les cinéastes nigérians s'en vont en Afrique du Sud pour bénéficier d'une fiscalité plus favorable, de subventions, et que les conditions de travail au Nigeria sont particulièrement difficiles. Alors je vous le dis en toute sincérité, 80 à 70% de mes films sont autofinancés. Parfaitement autofinanciers. Parce que si je devais attendre les financements nigérians, je n'irais pas très loin. On manque de soutien. Je vous le dis franchement, on met toutes les embûches possibles aux cinéastes dans de nombreux pays d'Afrique et le Nigeria en est un bon exemple. Ceux qui réussissent, c'est malgré l'État et certainement pas grâce à lui. Donc l'État devrait prendre du recul. Il devrait voir tout l'intérêt du secteur. Le Nigeria a tout misé sur le pétrole. Mais le pétrole n'est pas éternel. La fracturation hydraulique a fait chuter les cours du pétrole. Et même l'année dernière, alors que tout était à l'arrêt, eh bien, on a vu à quel point nous étions vulnérables. L'avenir est dans la culture. Le cinéma, ce n'est pas de l'abstrait. Nollywood, c'est un gros générateur de revenus. Le soft power du Nigeria, c'est essentiellement Nollywood, et ça n'est pas prêt de changer. Donc pour résumer, ce n'est pas du vent, c'est beaucoup d'argent. C'est un affranchissement culturel, financier, économique. Et cela pour des gens bien réels. Et donc l'État devrait se poser des questions. Comment tirer parti du phénomène? Comment le soutenir? Comment faire en sorte que les cinéastes n'aient pas à fuir en Afrique du Sud? Ce qui est affligeant. Les cinéastes vont chercher des subventions ailleurs. Le Nigeria, c'est un exemple de pays africain qui n'a pas trouvé ses marques et qui n'a pas encore compris le potentiel du cinéma, qui n'a pas eu la clairvoyance de voir que le film en tant qu'économie est générateur de revenus, qu'il est moteur de développement. Je ne vais pas non plus multiplier les synonymes, je crois qu'on voit où je veux en venir. Merci. Merci. Je me tourne maintenant vers Samira. Votre film aussi était autofinancé. C'était le cas. Pour mon nouveau documentaire, cela fait quelques années que je cherche des financements, mais que l'on l'obtienne ou non, on va de l'avant. Je ne vais pas m'étendre sur la situation extrêmement difficile des cinéastes au Cabo Verde. Et nous ne pouvons pas nous appuyer sur une tradition ni sur une histoire trop abondante. Il y a eu des films dans les années 50, il y a eu des coproductions avec le Portugal. La plupart de ces films étaient tournés en portugais, mais enfin, je n'entre pas dans cette histoire. C'est vrai, c'est un secteur qui peut être extrêmement rémunérateur. Non seulement pour l'équipe technique, pour tous ceux qui participent à la production, mais si on remet les choses dans le contexte du Cabo Verde, il faut bien voir que c'est un pays dont les principaux revenus ne viennent pas du pétrole, c'est heureux d'ailleurs, mais du tourisme. Donc il s'agit d'attirer du tourisme, et un tourisme un peu différent, pas un tourisme dans des resorts, où les voyageurs ne vont pas vraiment voir le pays. Il s'agit d'ouvrir le pays à
d'autres formes de tourisme, de donc et créer un échange entre nos îles et le reste du monde. Vous parliez de mon film Sukuru. Sukuru qui veut dire obscurité. C'est un thriller psychologique. Le personnage est un jeune homme schizophrène qui consomme du crack. Le film se situe de son point de vue. C'est un film assez sombre, assez intense, qui adopte le point de vue du personnage. Alors, ce que l'on expose dans ce genre d'histoire, c'est aussi nos tabous. On n'en parle pas beaucoup de ce genre de choses. On ne parle pas de la santé mentale, on ne parle pas de, on ne parle pas de la toxicomanie. Et pourtant, ce sont des phénomènes réels. Et ce sont des phénomènes réels parmi les jeunes qui ont ce genre de problème. Lorsque l'on ouvre le débat, on cherche aussi des solutions. Et cela a aussi des effets économiques parce que on fournit une aide à des générations de personnes qui pourraient sinon se perdre dans le silence qui entoure ces questions. Donc, il y a plusieurs niveaux dans le cinéma. Il y a une contribution économique directe du point de vue des productions, mais aussi une contribution indirecte. Par exemple, au Nigeria, pardon, nous avons une production nigériane à Praia. Et cela mobilise des hôtels, cela mobilise des services de restauration, toutes sortes de secteurs qui sont mis à contribution, et donc toute une série de contributions. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je vous remercie. Emeka, vous vouliez ajouter quelque chose? Elle a très bien décrit la situation de son pays. Si je devais ajouter quelque chose, ce serait à propos des documentaires. Les documentaires, c'est mon domaine. Vous le savez tous, quelqu'un qui produit des documentaires ne cherche pas à s'enrichir. On se donne une image de socialiste, de communiste, et puis on fait son chemin. Mais ce cinéma-là n'est pas nécessairement une cause perdue. Pourquoi? Parce que c'est une forme de storytelling dans un contexte africain. Plus tôt on commencera d'appuyer le cinéma, mieux ce sera. Mais allez savoir quand est-ce que cela se produira. Voilà donc mon point de vue, mais cela n'ajoute pas grand-chose à ce que disait Samira. C'est simplement ma perspective. Je crois que Jean-Pierre voulait contribuer. Jean-Pierre m'a parlé d'une initiative qu'il avait prise au Cameroun. Il proposait à des jeunes de produire des courts-métrages. C'est une forme de contribution économique. Est-ce que vous nous pourriez nous en dire plus, Jean-Pierre? Pardon, le signal se coupe. Je ne sais pas à quelle initiative vous faites référence. Cette initiative au Cameroun, l'initiative visait à donner à des jeunes l'occasion de produire des très courts métrages. Je ne suis pas spécialiste, mais cela m'a l'air d'une contribution. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Je suis d'accord avec tout ce qu'on dit, mes préopinants. Ce qui est injuste, c'est la très grande difficulté qu'il y a dans nos pays à faire des films. J'ai toujours l'impression d'être dans une guerre. On est bombardé par les images des autres. Netflix vient chez nous et nous n'avons pas les moyens de répondre. Il y a une forme de sentiment d'abandon. Je vais vous rapporter une expérience. J'étais en discussion avec l'Union européenne, on m'a demandé d'où je venais, j'ai répondu que je venais du Cameroun.
important. Can you find us a speech of the president? Est-ce que vous pourriez nous trouver un discours du président qui montre l'importance du cinéma? Donc, j'ai appelé mes amis au ministère, mais nous n'avons trouvé personne. Donc, la conclusion de l'Union européenne était: comment on peut vous donner un prêt ou un don si votre pays n'a pas dit que le cinéma était important? Donc, on ne peut pas travailler avec vous parce que ce n'est pas une priorité dans votre pays. C'est ce qu'on entend tout le temps. Ce n'est pas une priorité. Et comme Emeka l'a dit, combien d'emplois est-ce que cela crée? Le Nigeria est un cas intéressant, vraiment intéressant. Je crois que le Nigeria a dépassé l'Afrique du Sud en ce qui concerne le cinéma et est devenu le premier pays africain de cette économie en raison du cinéma. Donc c'est très important quand on regarde le contexte ici. Chaque initiative est privée et elle est toujours soutenue par l'Occident. Vous avez parlé de cette initiative, mais je ferai partir bientôt parce qu'il y a 20 participants qui m'attendent. Nous avons décidé d'adapter des livres et des africains en film. Et le niveau de littérature est très élevé, mais le niveau du cinéma est très bas. Nous nous en sommes rendus compte. Et nous avons pensé que le cinéma, le bon cinéma, doit utiliser ce potentiel de la littérature. Et cette initiative est financée par les Français. Il y a une autre initiative en rapport avec les Panthères Noires, les Black Panthers, qui s'appelle Fumban is Wakanda. Fumban est une ville à l'ouest du Cameroun où il y a une équipe qui a inventé un alphabet. Et beaucoup pourraient dire d'ailleurs que c'est encore bien meilleur que le chinois. Donc quand on regarde un film sur les Black Panthers ou le genre de rêve et celui d'un pays africain qui a son propre alphabet, cela se réalise. Donc l'avenir est déjà à propos du passé. Donc nous ne pouvons pas promouvoir toutes ces choses. Et c'est très difficile de savoir que nous vivons dans un contexte pour aller où et qu'est-ce que c'est que nous. La culture, c'est nous. Je me souviens, quand j'ai regardé un film, je me souviens de cette dame en Afrique du Sud qui m'a dit « J'aime regarder les films nigérians parce que pour la première fois, je peux voir des personnes qui me ressemblent. Je ne sais même pas ce qu'ils disent, mais j'aimerais bien manger ce qu'ils sont en train de manger. Il me semble que la nourriture est très bonne. » Et c'est vraiment ce que les films font. Et je crois qu'on ne se rend pas compte de ce que le Nigeria a gagné en faisant que nous nous sentions plus africains. Ce sont des films de Nollywood et nous sommes très fiers maintenant d'être conscients et de pouvoir affirmer notre identité africaine. Simplement parce qu'à un niveau populaire, nous voyons qu'avec ces films, nous n'avons pas besoin d'attendre les films européens ou américains pour nous identifier véritablement avec les gens qui sont comme nous. Donc d'un point de vue économique, le Nigeria a prouvé les choses. Malheureusement, la même chose arrive avec les téléphones mobiles où on organise le secteur avant que les grandes entreprises arrivent, alors qu'on devrait avoir une entreprise locale. J'aimerais que l'on puisse faire la même chose avec le film, avec le contenu, si l'on peut, parce que le secteur a été réorganisé avant Orange et avant le MTN. Et le gouvernement a véritablement voulu agir. Mais dans notre cas, nous avons été abandonnés, laissés à nous-mêmes. Ensuite, ils s'en vont. Les cinéastes, les musiciens débattent de l'organisation où ils prouvent ce que dit tout le monde. Ces gens ne sont pas structurés. Et c'est ce qui justifie le fait qu'ils ont abandonné tout un secteur. Encore une fois, le cinéma, c'est nous. Vous savez, nous ne pouvons pas abandonner ce qui est nous. Merci. Samira, je trouve cela très intéressant, Jean-Pierre, parce que c'est ce qu'on nous a dit tout le temps dans les pays africains lusophones, les pays du PALOP. On nous dit comment est-ce qu'on peut financer si nous ne savons même pas combien de cinéastes vous avez, si nous ne savons pas quels sont vos chiffres. Et très récemment, il y a presque 2 heures, nous avons commencé un projet et il fonctionne maintenant. Nous avons un réseau d'audiovisuel et de films à la suite de ces projets. Cela a commencé avec des amis, comme un cinéaste de chaque pays. Nous avons décidé d'une
petite ressource financière de l'Union européenne, comme vous avez dit, et nous avons obtenu la cartographie, nous avons rassemblé l'information, nous avons dit le nombre de cinéastes que nous avons mis ça sur un site web. Bien sûr, cela a été difficile parce que c'est quelque chose qui vient de nous, mais maintenant, on nous dit bien, mais nous ne savons pas combien vous êtes. Et nous disons, oui, mais ces informations sur notre site web. Et donc, on ne peut pas continuer à nous présenter ce genre de prétexte. Et que ce soit une coïncidence ou non, les gens ont vu notre premier film à Capoverde et les gens commencent à nous entendre. Ils doivent nous entendre. Ils disent, bien, vous êtes peu nombreux. Je dis, ok, oui, mais nous avons une grande diaspora. Comme je l'ai dit, nous luttons, mais nous nous débattons bien. Jean-Pierre, c'est vrai, c'est une réalité. Mais excusez-moi, je devrais vous partir dans 5 minutes parce qu'il y a des gens qui m'attendent. Donc, excusez-moi, mais dans tous les pays où le cinéma s'est développé, le Canada, le Québec surtout, parce qu'il a lutté contre les Français, les Anglais, vous voyez, ils ont en fait une politique culturelle, comme Samira l'a dit, c'est-à-dire une sorte de loi, de législation qui organise le secteur. Mais on se rend compte que nous voudrions que l'Union africaine il participe et aide si l'État ne peut pas le faire. Nous avons une organisation qui est liée à l'Union africaine, ce que l'on appelle la FEPACI, Fédération panafricaine des cinéastes. J'ai fait partie de la direction, mais je suis partie parce qu'en fin de compte, elle est inutile. Bon, donc nous avons ces structures, mais nous pensons que ce qui est clé, essentiel, n'est même pas promu. Nous ne disons pas que on devrait mettre en œuvre certaines lois pour faire telle ou telle chose. Mais en fait, on a l'impression que ça n'intéresse même pas. Et je pense que si nous devons avoir ces lois, le secteur est organisé, il y a le statut des acteurs, des caméramans, mais cela doit être fait par le gouvernement. On ne peut pas du tout s'attendre à ce que les gens qui travaillent dans le secteur le fassent. Non, quand Orange et le MTM sont venus, ils n'ont pas eu à s'organiser parce que le secteur était organisé, donc ils sont venus après. Et maintenant, en France et dans d'autres pays, ils vont faire en sorte que ce qu'on appelle les grands cinq, Google, Amazon et les autres, Facebook, paient des impôts pour financer le cinéma. Et ça marche. Mais qu'est-ce que fait l'Union africaine, par exemple, pour être sûr que nous puissions demander ça à ces gens, parce qu'ils consomment toutes ces choses et cela tue une partie de notre secteur, de nos industries, parce que l'argent est détourné vers Netflix et les autres. Donc je pense que nous devons voir ce que d'autres font pour garder leur cinéma. Qu'est-ce qu'ils font? Nous devons vraiment penser à ces stratégies. Bien, maintenant, est-ce que je peux vous quitter vraiment? Bon, bien, organisez-vous. Peut-être une petite photo avant que Jean-Pierre ne parte. J'espère que ce sera une jolie photo. Ben, si vous souriez, oui, c'est un sourire, le plus beau sourire. J'ai été très content de vous parler, Samira. Cela a été très bien de vous connaître. Gardez le contact. Oui, vous devez venir au Cap Verde. Je viendrai absolument, si vous m'invitez. Oui. Jean-Pierre vient de nous quitter, mais d'après tous les commentaires que vous avez tous faits récemment, je comprends que le cinéma est un véhicule très fort du développement économique, mais il y a, ou il semble qu'il y ait également des différences géopolitiques selon l'endroit où les cinéastes vont et d'où ils viennent. Emeka nous a parlé de ce qui se passe à Nollywood. Nollywood est grand, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que l'on peut comparer ce que produit Nollywood à ce qui a été fait en Inde, en Amérique, avec les grandes entreprises du système, de toute l'industrie, la grosse industrie américaine. Il y a des différences légères qui sont en fait géopolitiques. Et elles peuvent avoir des incidences sur l'industrie du cinéma.
mais je voudrais que nous allions plus loin et plus profond maintenant parce que nous sommes un petit peu en retard, mais nous avons peut-être 10 minutes, nous aurons peut-être 10 minutes de plus. Qu'en pensez-vous? Comme vous voulez, je suis ici. Jean-Pierre a dit quelque chose, à savoir que parfois le cadre juridique ne protège pas l'industrie du cinéma. Mais je suis une juriste et je sais que Emeka est aussi une juriste. Donc il existe une convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité de l'expression culturelle. Et je pense que le film peut être couvert par cette convention. Donc je voudrais que nous parlions maintenant de notre identité culturelle. Qu'est-ce que l'identité culturelle? Est-ce que vous reflétez l'identité culturelle dans vos films? Peut-être que vous avez entendu parler du Ségéco, qui a été une grande réunion sur ce sujet. Peut-être qu'Emeka peut commencer. Oui, bien sûr, c'est une très très juste remarque. Franchement parlé, beaucoup des choses que j'ai faites concernent les conversations consacrées à l'identité et à l'impact d'intrusion dans cette identité, ou bien, comment dire, des réponses pour rétablir l'identité. Donc, le narratif de mon travail a toujours été, tout d'abord, vous devez savoir qui vous êtes. Un des problèmes auxquels nous sommes confrontés au Nigeria, notamment dans l'étude de l'histoire, est que l'histoire n'a plus été soulignée dans les programmes scolaires par rapport à ce qui se passait il y a 40 ans. Et l'impact de cette suppression de l'histoire a signifié la suppression d'une grande partie de l'apprentissage. Mais même avant cela, le programme colonial visait surtout un objectif particulier. On était plus intéressé à former et produire un certain type d'individus flexibles, des apparatchiks administratifs pour l'infrastructure coloniale. Maintenant, je viens d'un groupe ethnique que l'on appelle le peuple Igbo, qui représente plusieurs millions de personnes. Et dans la réalité, beaucoup de questions émergent toujours sur notre origine. Même à l'heure actuelle, on peut aller au Wolof ou au Tukolor, ils ont des traditions orales fortes. Et les Igbo essaient toujours de se trouver une identité commune, comme une histoire, une narration commune d'identité. Et c'est là que Nollywood a eu un impact sur cela, parce que un des premiers films de Nollywood a été le film « Vivre en esclavage »,« Living in Bondage », en langue Igbo, qui a été produit par mon ami Chris Obirapu. La langue Igbo, la culture Igbo et l'identité ont été transmises globalement grâce au véhicule des premiers films de Nollywood qui étaient catalysés, même si maintenant il y avait aussi la langue anglaise, mais même la façon dont l'anglais était parlé dans les films de Nollywood était différent. Il y a de questions de nuances dans l'identité véritablement autochtone. Maintenant, je sais que nous voulons faire en sorte que la recherche et les histoires soient exactes. Mais quand on a une composition musicale, la composition commence par un 1. Si le 1 est dispersé, si vous commencez la composition à partir de 2, vous n'arriverez pas à faire quoi que ce soit, ça ne tiendra pas debout. Donc, en fait, la réalité est que beaucoup des narratifs de Nollywood mettent l'accent sur l'identité culturelle, mais elles ont été déformées parce qu'elles étaient toujours développées sous une licence créative. Donc, la responsabilité, là, récemment, a été un grand élan. On vise l'exactitude historique dans les récits pour faire en sorte que l'identité soit juste, de façon que ce que nous produisons ne soit pas destructeur, ou plus destructeur que les déformations de l'époque coloniale qui ont formé notre héritage colonial. Et je suis heureux de voir que les nouveaux films produits par Kunle Afolayan, vous savez de quoi je parle, le 1er octobre et les autres, 1976, ce sont des films qui
s'en tenait très bien à l'exactitude historique. Et cela fait partie de l'espoir que nous avons, même si nous faisons un film de fiction. Le fait est que dans les grands films, il doit au moins y avoir un respect de l'exactitude historique, de l'exactitude culturelle. Et c'est là qu'est notre responsabilité. Parce que j'ai utilisé cette phrase au début, bien que les films documentaires soient mal financés en Afrique, vous avez quand même un cinéaste qui a un grand pouvoir, le pouvoir de transmettre une histoire qui peut avoir une influence sur l'ensemble de la société. Et en exerçant ce pouvoir, il y a une grande responsabilité, à savoir que vous ne représentez pas uniquement vos petites volontés artistiques, vous représentez le peuple avec lequel vous êtes, vous représentez le peuple avec lequel vous essayez de communiquer dans le film. Donc sans question, pour nous, Africains, notre passé colonial et notre héritage colonial, comme Samira l'a dit avec éloquence, utilise le véhicule linguistique des films. Elle a utilisé le créole, ce qui est une façon très courageuse, parce qu'il aurait été plus simple pour vous de faire les choses en portugais. Vous auriez certainement obtenu plus d'argent. Mais vous savez que nous avons cette responsabilité et nous ne devons pas être découragés par les obstacles qui nous attendent. Voilà, en résumé, ce que je pense de la question. Merci. Merci, Emeka, de vos remarques. Que pensez-vous, Samira? Eh bien, j'ai là grande matière à réflexion. Ma mère est professeure d'histoire, donc j'ai grandi et dans notre maison, les noms étaient très caloriques parce que nous avons grandi dans la culture portugaise. Mais ma mère a dit non, nos enfants sont africains, je vais donc donner des noms africains à mes enfants. Donc je m'appelle Samira Nandi, Nandi étant pour l'Afrique du Sud parce que c'est la mère de Shaka Zulu. Donc si vous venez à ma maison, vous savez ce qu'il en est. J'ai déjà eu la chance d'avoir ce genre de renseignements chez moi. Tout le monde ne l'a pas, et comme je l'ai dit avant, le Kuna Afayelen, comme ça vient à Cabo Verde, plusieurs fois j'ai eu la chance de travailler avec lui, et il a cette connaissance historique, cette compréhension de la transmission de nos tradition. C'est très important pour moi. Il faut comprendre que le Cap-Verdé, dès le départ, représente des îles où il n'y avait personne. Donc les Portugais sont arrivés, ils ont amené des gens dont ils ont fait des esclaves, et ces gens avaient leur propre culture, leur religion, leur langue propre. C'est pourquoi le créole de chaque île est différent des autres. Nous avons le Samburu, nous avons le Badou, et chaque île a un accent différent, différentes expressions, parce que la population était différente. Donc, à des époques différentes, il y avait des esclaves venant de différentes régions qui parlaient différentes langues et qui subissaient aussi l'influence du français, par exemple, et de l'anglais dans l'île où j'étais née. Donc, il y a cette culture qui est très mélangée au départ. Et ensuite, il y a le passé colonial dans lequel des genres différents de manifestations ou d'expressions culturelles se sont manifestés, comme par exemple la danse de Batuco, qui était interdite. Donc tout cela avait été perdu. Il y a des générations nouvelles qui ont repris l'étendard et qui ont recommencé. Et il y a cette phrase qui vient de l'économiste de Cabo Verde, Paulina Dias. Elle m'a dit une fois, la génération de nos grands-parents ont tenu le drapeau de l'indépendance. La génération de nos parents ont tenu l'étendard de la démocratie, quel est le nôtre? Et pour moi, c'est une question considérable, encore une fois. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons ici? Quelle est notre histoire? Qu'est-ce que l'on veut? Et que raconter? Beaucoup de problèmes que nous avons dans la société viennent de cette lutte d'identité. Donc le film est un outil puissant. Et quand je fais des films en créole,
Je mélange un peu de Badou et un peu de Mandy. Je mets une personne qui vient d'une île différente, de façon que l'on voit que ce n'est pas la même chose. Il y a des gens de différentes couleurs qui appartiennent à des classes économiques différentes. Donc on voit véritablement ce qu'il en est, parce que sinon, je me souviens qu'une fois, je suis allée au Portugal et quand je cherchais du financement pour ce cours, j'ai rencontré un grand producteur. Portugais, un homme étonnant, très gentil, et il m'a dit, c'est remarquable que je puisse vous connaître parce que mon rêve est de filmer en Afrique, et j'ai commencé à rire, et c'est sans doute à cause de ça que j'ai perdu. Je suppose que si j'avais dit, bon, eh bien, nous allons faire cette chose exotique, j'aurais obtenu certainement un peu d'argent, mais j'ai commencé à rire, et j'ai dit que de mon île jusqu'à la prochaine île, les distances sont courtes et qu'il n'y a que 500 000 personnes dans mon pays, mais il y en a 2 millions à l'étranger. 2 minutes. C'est très intéressant, mais plutôt une seconde. Y a-t-il une recommandation que vous pourriez faire rapidement, quelque chose qui pourrait améliorer le film en tant que pilier du développement durable pour l'Afrique? Que suggériez-vous? Il s'agit simplement de trouver notre voie, de savoir ce que nous voulons raconter, de faire avancer les choses et de le faire et de voir l'impact que cela a autour de nous. Merci Samira. Emeka? Oui, en un paragraphe. Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Samira et j'ajouterais que nous devons d'abord connaître notre narratif, comprendre notre responsabilité de cinéaste et quand les gouvernements nous entendront et comprendront qu'il s'agit d'une industrie, que c'est un véhicule de développement national et de mobilisation et qu'ils l'aideront. Il doit y avoir cette conversation entre les cinéastes et le gouvernement pour parvenir à un objectif commun. Peut-être qu'alors, il y aura des progrès, mais entre-temps, nous devons continuer. Voilà, intéressant. Nous allons reprendre cette mission et nous allons faire les films que nous voyons comme l'avenir de notre continent. Il semble que la difficulté va bien au-delà du cadre national, mais nous allons continuer à travailler à l'avenir. Merci.
Welcome to our online conversation. I'm Louise Turin. Bonjour, je suis Louise Turin. Je suis dans la diplomatie culturelle. Je suis basée en France, je travaille à l'UNESCO, au siège sur le programme La route des esclaves, existence, liberté et héritage. Je serai votre animateur pour les venues, un événement qui aura lieu dans le cadre de la série des dialogues africains qui a été lancée par le bureau du Conseil spécial pour l'Afrique en tant que plateforme interactive pour les responsables politiques, les sociétés des civils, les experts, les milieux universitaires pour discuter et débattre des défis et possibilités de l'Afrique. Pour 2021, l'Union africaine a choisi Art, Culture, Héritage à utiliser pour construire l'Afrique que nous voulons comme thème de l'année. C'est un thème ancré dans l'aspiration 5 de l'Union africaine et son programme à l'horizon 2063 qui envisage une Afrique avec une identité culturelle forte, l'héritage commun partagé, l'éthique. L'aspiration 5 est un appel à la renaissance culturelle qui inclut l'esprit du panafricanisme dans la richesse de l'Afrique et de son héritage, de sa culture, pour assurer une industrie des arts créatifs qui est un contributeur à la transformation économique du continent. Et maintenant, je présente nos spécialistes, Sitwe William Schlotzwa. Merci d'être ici. Vous êtes un artiste visuel du Zimbabwe. Vous avez fondé également une plateforme aux Pays-Bas et la fondation Takmigji qui doit aider à renforcer les échanges culturels grâce à la collecte, la coopération culturelle. Merci de votre présence. Deuxième expert, Joy Moyo, merci. Vous êtes praticien des performances, commissaire d'exposition et le directeur exécutif du Centre Go Down, qui est un centre d'art multidisciplinaire à but non lucratif à Nairobi au Kenya. Et vous êtes la dernière personne, Guillaume Mesmour, merci. Vous êtes un des musiciens de premier plan de la scène musicale éthiopienne. Vous avez servi de producteur, de directeur artistique, d'instructeur en musique. Vous avez également travaillé depuis 2013 pour développer un programme pour l'économie mondiale de musique qui est à Berlin, qui enseigne et célèbre la musique non occidentale. Merci tous d'avoir accepté de participer à cette discussion. Ma première question s'adresse à Cissas Bilé. Le projet principal sur lequel vous avez travaillé s'intitule « En search de Ubuntu ». C'est un travail postcolonial important qui a comme racine la déstructuration de l'image de l'âge d'or néerlandais. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce projet et ensuite nous dire de quelle façon vous pensez que ces travaux et la production culturelle peuvent contribuer à soigner les peuples africains et la diaspora noire à la suite de leur histoire de façon à créer un avenir meilleur et l'Afrique que nous voulons. Merci. Louise, en recherche de Ubuntu est une recherche de ce qui nous fait, ce qui nous rend humains et qui nous connecte. J'ai commencé ce projet en 2018 au nord des Pays-Bas où j'ai été invitée à répondre d'une perspective internationale à un projet de ville capitale européenne, capitale de la culture, dont l'objectif était de régler les questions controversées auxquelles l'Europe est confrontée, parmi elles l'immigration, l'inégalité, le racisme et le changement climatique. Ma réponse, telle qu'elle a été proposée, a été de réfléchir aux causes de ces questions controversées, car il n'est pas possible de les régler sans obtenir une connaissance de leurs causes profondes. Et ce projet est une réflexion par un prisme artistique des questions controversées dont j'ai parlé, et ils sont liés à notre histoire. Donc mon objectif est de contribuer à l'abolition de la reproduction de la violence, de l'expression du racisme, du sexisme et de l'exploitation d'une part, et d'apporter la lumière et de rétablir les liens entre cette histoire et l'état actuel de notre monde, de la perspective des échanges, en mettant un accent particulier sur les compagnies de l'East India et West India. J'ai choisi l'âge d'or des Pays-Bas comme point de départ parce que pour comprendre l'état actuel du monde, il faut trouver des solutions à la crise climatique, il faut comprendre comment nous en sommes arrivés là. C'est une période importante dans l'histoire néerlandaise qui est reliée à l'histoire coloniale américaine du XVIIe siècle et qui est vitale pour comprendre les conséquences de la lutte
lutte passée mondiale entre l'Angleterre et les Pays-Bas et le rôle que cette histoire joue dans notre paradigme actuel. Pour répondre à votre question sur la façon dont ce genre de projet peut contribuer à guérir les Africains et sa diaspora de leur histoire, je trouve qu'il est important de souligner que cette histoire est non seulement une histoire d'Africains et de la diaspora noire, c'est une histoire commune des coloniseurs et des colonisés. Le problème est que l'histoire des coloniseurs ou colonisateurs et son impact jusqu'à présent est rendue invisible, ce qui à son tour a créé ce paradigme actuel où nous sommes pris au piège de la reproduction de la violence, du racisme, de l'inégalité, du sexisme, de l'oppression, et de l'exploitation et bien sûr de la dégradation de l'environnement. Donc la cure du peuple africain est importante et la création de l'Afrique que nous voulons est liée à cette histoire commune. Thank you. Je vous remercie, Zita Bilé. Donc poursuivons la réflexion. J'aimerais vous poser la question à vous, Guillaume Mesmour. Vous êtes musicien, vous jouez du jazz, vous connaissez donc bien les propriétés thérapeutiques de la musique. Comment est-ce que vous pensez que les populations peuvent tirer parti des arts, de la culture, du patrimoine pour créer une paix durable? Comment est-ce que vous avez contribué au dialogue en Éthiopie, au dialogue entre les communautés? Guillaume, on ne vous entend pas. Pardon, mon micro était coupé, j'avais oublié de l'allumer. Alors, en général, la musique, les arts, la culture sont de nature ouverte, inclusive. C'est quelque chose que l'on partage, mais tout dépend bien sûr de qui tient les rênes. Tout dépend du but poursuivi. Est-ce qu'il s'agit de rassembler ? Est-ce qu'il s'agit de diviser? Donc la musique, comme toute autre forme d'art, peut être utilisée pour rassembler. La culture, la musique en particulier, s'adresse aux émotions. Il est plus facile de parler aux gens par la musique que par des conférences ou par toute autre forme de recours rationnel. Donc ouvrir les portes de la culture, cela peut permettre de rassembler sans avoir à faire de prêchi-prêcha, sans avoir à faire de propagande. Ça peut être utilisé de manière assez délicate pour rassembler, pour fédérer. Quant à moi, je vis en Éthiopie, c'est là que je suis né. Et en Éthiopie, on retrouve plusieurs traditions culturelles. Cela s'exprime par la musique, ça s'exprime dans l'histoire, ça s'exprime de toutes sortes de façons, tangibles, intangibles. La musique en fait partie. Quant à moi, ma forme d'expression, c'est le jazz. Et lorsque je joue, j'essaie d'incorporer aussi naturellement que possible toutes les traditions culturelles, traditions musicales qui nous animent. Parfois, ça peut être plus minimaliste. On utilise un ou deux éléments, un ou deux modes musicaux. Mais parfois, on peut brasser plus large. Dans la vie d'aujourd'hui, dans le pays, aujourd'hui, cette démarche est assez difficile. Parce que le pays est assez tendu politiquement et c'est là que la musique peut intervenir. Je vais vous donner des exemples un peu personnels. J'ai reçu une commande. On m'a demandé de composer la musique d'une petite publicité qui devait passer à la télévision. Un passage d'une minute, on m'avait demandé, 60 secondes. La musique en question devait être énergique. Et j'ai donc utilisé une danse du sud de l'Éthiopie. C'est l'une de nos cultures musicales.
Lorsque j'ai présenté mon travail aux clients, à la commission, ils ont écouté ma démo et la question qu'ils m'ont posée, c'était pourquoi vous êtes inspiré uniquement d'une culture et pourquoi cette culture en particulier? Est-ce que c'est une forme de critique? Pourquoi n'avez-vous pas utilisé la danse ou les rythmes d'autres cultures? Ça aurait été plus inclusif, ça aurait été plus politiquement correct. Moi, j'ai refusé. J'ai grandi dans une société qui est naturellement inclusive. Je ne viens pas de cette région en particulier. Mais en grandissant, je considérais que c'était un aspect de ma culture musicale. Il n'est pas facile de représenter toutes les musiques qui sont dans la musique, qui sont dans le pays, en l'espace de 60 secondes. Cela vous montre ce que font les politiciens à la culture. Mais cela veut dire aussi que la musique doit être représentée, la culture doit être représentée, parce qu'elle a un pouvoir fédérateur. Dans le tissu social, il est divisé par la politique, par d'autres phénomènes, eh bien, il faut y reprendre notre place, et cela naturellement. Voilà mon avis, j'espère que cela répond à votre question. Effectivement, Guillaume, cela y répond bien. D'ailleurs, je vais vous poser une question de suivi, je vais m'adresser à Joy. Toujours sur le même sujet, l'art en tant que culture, l'art en tant que communion. Quant à vous, Joy, vous avez imaginé un festival multidisciplinaire qui s'appelle Nainiwu. C'est un projet qui date d'il y a 9 ans. Est-ce que vous pourriez nous le présenter? Et qu'est-ce que cela représente pour les habitants de Nairobi, pour les Kenyans, pour l'Afrique, pour l'espace mondial africain? Et puis, vous avez eu des difficultés à surmonter, d'ailleurs c'est peut-être encore le cas, notamment pour ce qui est des aspects sanitaires. Donc, des difficultés à monter votre projet, j'aimerais que vous nous les rapportiez. Je vous remercie Louise, je vous remercie Guiroum, je vous remercie Sidabilé. Je suis content de partager cet espace avec vous. Alors j'écoutais mes collègues et ce que j'entends, cela recoupe un peu ma pratique. L'idée d'inclusivité, l'idée de cristallisation de l'identité, de formation de l'identité africaine contemporaine, et puis l'idée du lien avec le passé, et puis de façon d'avancer vers l'avenir. Alors cela passe naturellement par la prise de connaissances, mais aussi par la représentation de genre d'Afrique que nous voulons. Notre projet Nainiwu, à l'origine, il prenait racine dans ce même genre de questions. Nous sommes un centre artistique et notre public naturel, c'est le public de Nairobi. Et au cours des ans, on a vu qu'on ne trouvait pas notre public. Alors on a commencé à se poser des questions. Quelle était notre erreur? On s'est posé la question du rôle d'un centre artistique dans une ville d'Afrique. Et qu'est-ce que cela veut dire de tenir un centre africain, un centre d'art dans une ville africaine? Quel est votre rapport au reste de la ville? On s'est demandé si peut-être l'espace était insuffisamment accueillant, ou bien est-ce que l'espace ne proposait pas au public des choses dans lesquelles il se reconnaissait. Alors on a commencé à sortir un peu de notre espace, on a mené des activités hors les murs, et on est allé dans les quartiers de Nairobi. On a commencé à se demander si ce rôle de curateur, de commissaire d'exposition, eh bien, il appartenait uniquement aux professionnels des arts, ou bien est-ce que les quartiers, la population, avaient un rôle à jouer, parce que les gens de culture, cela peut être aussi des mandarins, des gens qui reproduisent les repères culturels dans lesquels ils se reconnaissent eux-mêmes. Nainiwu, c'est donc devenu une expérience, un festival dans lequel on invite les résidents, les gens lambda de Nairobi, à identifier les repères culturels que eux-mêmes mettraient en avant pour Nairobi. C'est un espace dans lequel ils peuvent en inviter d'autres à mettre en avant ces éléments-là. Et cela a fait surgir un espace d'art d'un genre particulier. Cela a fait surgir de nouvelles choses que nous n'aurions pas pu envisager autrement. Mais cela nous a permis aussi de prendre conscience du rôle de la ville en tant qu'entité culturelle, en tant qu'expérience culturelle. Et cela soulève toutes sortes de questions, des questions d'inclusivité, des questions d'identité, d'appartenance, questions d'appropriation.
La question du goût culturel. À qui revient-il d'inclure, d'exclure? Voilà donc les enjeux de ce festival. Cela nous amène à réfléchir à notre rôle en tant qu'espace artistique et en rapport avec une certaine communauté. De manière plus générale, qu'est-ce que cela veut dire pour la région et puis au plan mondial? Cela nous permet d'envisager plusieurs manières de se rapporter aux communautés. Par exemple, observons la pratique occidentale. Ils ont d'autres institutions bien établies, des musées, il y a des centres artistiques, il y a des commissaires d'exposition qui s'appuient sur une tradition bien établie, sur des pratiques, sur un canon. Et je crois que l'Afrique peut envisager d'autres manières de faire, d'autres possibilités. Par exemple, est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir des musées proprement dit? Est-ce que ça doit être dans des auditoires fermés? Il y a peut-être d'autres manières de se rapporter à son public, d'autres programmes à mener, d'autres types de manifestations. En soi, ce n'est pas une difficulté. À vrai dire, c'est un cadre plutôt enrichissant. En invitant d'autres personnes à voir vos activités, en fait, on pose des questions qui sont des questions problématiques pour un centre artistique. Les questions économiques, les questions d'inclusivité, les questions de programmation. Est-ce qu'on programme des choses qui viennent à point nommé? Et cela, ce sont des choix que l'on laisse à la population, au public. Si le public souhaite qu'une manifestation soit tenue la nuit, eh bien la nuit, si ça doit être le samedi matin, cela ouvre toutes sortes de possibilités. Je vous remercie, Joy. C'est extrêmement intéressant. Ma deuxième question. Je vous remercie d'avoir répondu à cette question et de nous avoir présenté votre centre artistique au Kenya. Maintenant, une question pour Guillaume. J'aimerais continuer sur cette idée d'inclusivité sociale. Cela concerne d'ailleurs aussi la diaspora. Quant à moi, je suis basé à Paris. Vous êtes parfois en Allemagne, à Berlin. Je sais que vous êtes associé à une école de musique à Berlin, la Global Academy. Peut-être que vous nous en direz plus. Vous êtes professeur là-bas, c'est vous qui avez conçu le programme d'études. Et je sais que c'est un programme particulièrement intéressant dans lequel vous mettez au point un programme de musique africaine. C'est un programme qui est en cours d'élaboration, c'est l'un des premiers en son genre et cela pourrait être imité et intégré à d'autres genres d'écoles. En général, qu'est-ce que cela veut dire pour vous, pour nous, pour l'Afrique en général, d'enseigner la musique africaine hors de l'Afrique mais aussi en Afrique? Je vous remercie. En général, je suis en Éthiopie. C'est là que je passe le plus clair de mon temps. Alors évidemment, la musique m'amène à voyager, je pars en tournée et je travaille beaucoup effectivement avec une école basée en Allemagne, la Global Music Academy, mais ma base, elle était à Addis Abeba et je suis actif ici sur la scène musicale et c'est ici que j'enseigne. Pour ce qui est de la Global Music Academy, nous avons effectivement produit et élaboré un programme musical. Le but, c'est de créer d'autres possibilités que celles qui existent d'ores et déjà, à savoir un enseignement essentiellement fondé sur la musique occidentale. Donc créer un programme qui puisse prendre en compte les différentes cultures. En Afrique, ce genre de culture pédagogique n'existe pas pour la musique. Mais il y a une tradition orale, et cela passe en général par la pratique, ce qui est une forme en fait d'enseignement tout aussi valable qu'une autre. Nous avons une forme de transmission musicale de génération en génération. Alors, l'histoire nous a amené à nous inspirer beaucoup des méthodes occidentales, méthodes qui sont bien établies. Pour la musique occidentale classique, la musique classique occidentale, la méthode pédagogique a une histoire longue de 300 à 400 ans. Donc c'est une façon de procéder extrêmement méthodique. Mais est-ce que cela fonctionne pour la musique africaine? Est-ce qu'on peut véritablement
enseigner les musiques africaines par cette méthode-là et uniquement par cette méthode. Il faut d'autres possibilités, mais cela ne nous empêche pas de nous inspirer aussi de cette tradition-là. Voilà l'inspiration. Donc, l'Académie, la Global Music Academy met au point des programmes qui sont enracinés dans les exemples musicaux africains, des exemples locaux. Il s'agit d'apprendre certaines compétences à partir d'éléments locaux, des éléments que les Africains peuvent reconnaître, peuvent replacer dans leur culture. Cela pose toute une série de difficultés, bien sûr. Les étudiants sont habitués, sont très exposés à la culture occidentale. Enseigner avec les éléments issus de la culture locale, des éléments locaux, c'est parfois difficile. Voilà la première difficulté. L'autre difficulté, elle porte sur le contenu de ce que l'on enseigne. Les jeunes Africains ont un peu perdu le rapport à leur musique. Lorsque on leur parle, en général, ils connaissent bien davantage la musique d'orientation occidentale que leur propre culture. Et puis la troisième difficulté, c'est le manque de documents écrits ou documents enregistrés. La culture musicale dont ils sont issus n'a pas trouvé de transcription écrite ou en tout cas moins abondante. Premier problème donc. Donc l'objectif pour cette nouvelle génération de musiciens africains, c'est déjà de savoir enregistrer notre musique, bien l'écouter, bien l'analyser, bien la transcrire, savoir lire la musique et utiliser les différents moyens techniques pour enregistrer, analyser, catégoriser et puis en fin de compte étudier notre musique et pour pouvoir construire là-dessus. Je vous remercie, Guillaume. Merci d'avoir clarifié ce que je disais. Ma question suivante va à Sitabilé. Est-ce que vous pourriez nous dire précisément, ou nous parler plus précisément de votre expérience d'africaine, d'entrepreneuse africaine dans les arts ? Vous avez contribué à la création de IFA Global et de la fondation Tam Guidi. Vous venez du Zimbabwe, mais votre base de travail est aux Pays-Bas. En quoi est-ce que votre expérience africaine diffère de votre expérience en Europe en tant qu'africaine? Et en fin de compte, quels sont les changements que vous demanderiez, que vous espéreriez voir? Je vous remercie, Louise. Lorsque j'étais au Zimbabwe, j'étais déjà une artiste de renom. On venait me voir, on venait acheter mon travail et j'avais déjà une certaine renommée. Mais en Europe, je suis devenu exotique. Je ne pouvais plus exposer dans les galeries d'art contemporain ou dans les musées parce que je relevais d'une catégorie, l'art africain, une catégorie qui d'ailleurs est parfaitement arbitraire. Et mon travail n'avait rien de particulièrement africain. Et c'est pourquoi j'ai commencé la fondation Tam Guidi. Le but était de donner une voix aux artistes africains et de la diaspora, mais en particulier, c'était le cas pour les artistes femmes qui étaient trop faiblement mises en valeur, qui étaient marginalisées. Lorsque j'ai découvert les artistes aux Pays-Bas, par le truchement de ma fondation, quand j'ai découvert que ces artistes-là éprouvaient les mêmes difficultés, alors j'ai créé la plateforme IFAA. Il s'agissait de m'opposer à la mauvaise représentation individuelle. Ce que j'aimerais voir changer pour le mieux, c'est
J'aimerais que disparaisse la mauvaise représentation coloniale des industries culturelles africaines. L'art africain, la musique africaine, la danse africaine, c'est comme si elle n'existait pas. Rien qu'au Congo, il y a plus de 200 cultures. Comment est-ce qu'on peut réunir tout ça sous l'appellation d'art africain ou de culture africaine? On parle de culture italienne, néerlandaise, française, on parle de design italien. Et pourtant, est-ce qu'on parle de design congolais, nigérien, de cuisine congolaise? Le continent africain est extrêmement riche et il est fait de nombreux types de personnes. Alors il faut représenter cette diversité et il faut que cela trouve son expression dans l'industrie culturelle africaine. Pour l'instant, tout cela est rangé sous la catégorie de africain. C'est un genre de fourre-tout. Et tant que cela sera le cas, il sera très difficile d'entrer en dialogue avec le reste du monde. Dans une perspective occidentale, en tant qu'artiste basé ici, en tant que commissaire d'expédition, alors on rentre dans la catégorie d'art africain et on se retrouve sous-valorisé, dévalorisé. Et votre travail, d'ailleurs, est moins mis en valeur. Tout étudiant qui va à une académie des arts et qui est une personne de couleur... quelqu'un issu des colonies néerlandaises, le conseil qu'on leur donne, c'est de ne pas produire d'art africain. Le problème, c'est donc de changer l'image de marque. Il y a donc un effort de reconstruction de la marque ou de réinvention de notre identité à faire. Je vous remercie, Louise. Merci, Sitabilé. Joy, vous avez aussi fondé votre propre centre, tout comme Sitabilé. Votre centre à vous, il s'appelle Go Downs Art Center. C'est à Nairobi. Vous nous en avez un peu parlé, mais enfin, quelles sont les activités présentes, les activités que vous envisagez à l'avenir? Vous avez un projet d'élargissement de votre espace? Qu'envisagez-vous pour cet espace? Et puis, sur quel point est-ce que les États, votre État, peut aider les entrepreneurs africains, les organisations comme les vôtres, les organisations culturelles comme les vôtres, à être plus créatives et à s'élargir? Je vous remercie. Eh bien, j'ai l'impression que nous sommes aux prises avec une question qui est celle de l'émergence de l'Afrique contemporaine et de sa reconnaissance. L'idée de notre centre artistique n'est pas de créer un nouveau centre artistique, c'est une forme d'évolution plutôt. Il s'agit de faire évoluer, disons, dans une perspective où on dépend entièrement des financements internationaux, à une position où on peut s'enraciner davantage tout en acceptant les financements. Il s'agit donc de créer une infrastructure culturelle africaine qui ait vraiment des racines endogènes, qui ait des racines chez nous. Voilà donc l'idée qui préside à notre centre artistique. Lorsqu'on pense à cette question, lorsqu'on réfléchissait à cette question, on s'est rendu compte que les derniers investissements dans l'infrastructure culturelle datent de la période coloniale. Et c'est affligeant. Le Kenya fêtera son 60e année d'indépendance en 2023. Et pourtant, nous n'avons pas encore commencé à construire l'infrastructure en dur de la même manière que les autres nations contemporaines pour ce qui est des arts et de la culture. L'idée, c'est donc de donner corps à cette idée par notre centre artistique. L'idée, c'est quelle place est-ce que les infrastructures culturelles tiennent dans la ville, mais surtout comment les faire naître. Comment créer la conception d'un nouveau centre artistique et comment la rendre participative? Qu'est-ce que le public souhaite voir et quel est le sens de ce qu'ils veulent voir? Et voilà une conversation qui doit avoir lieu dans la communauté. Mais autre conversation qui doit avoir lieu, comment développer les villes africaines? Comment faire en sorte qu'elles soient durables? Quel est le rôle des infrastructures culturelles pour ce qui est de la création de villes durables? Donc notre nouveau centre artistique, ou plutôt cette évolution du centre artistique, soulève toutes sortes de questions sur plusieurs niveaux. La question de la communauté, la question de l'espace à fournir au public, la question des artistes, la question des espaces de travail, les espaces nécessaires pour entreprendre, et puis bien sûr la question de la ville
la question de l'habitat durable. Et ce, par une infrastructure culturelle qui prenne en compte cette idée de durabilité. Les États doivent reconnaître cette réalité. Et heureusement, cela commence à porter ses fruits. Cela a été long, cela a duré 10 ans, mais nous sommes entrés en dialogue avec la mairie, avec l'État national, et toutes ces étapes-là doivent être consultées, toutes ces parties prenantes-là. Comment est-ce que l'on peut valoriser les espaces qui servent au bien public? Comment traduire cela dans la réglementation? Comment traduire cela dans la fiscalité? Quels sont les partenariats à faire avec l'État? Voilà les questions que l'on se pose dans notre dialogue avec l'État, mais c'est un processus qui, nous en sommes fiers, prend en compte toute une série de parties prenantes et qui permet de faire entendre plusieurs voix et leurs perspectives de façon à développer un espace civique africain. Merci Joy. Alors, une question complémentaire. Que faut-il pour attirer des investissements, pour financer les industries culturelles et créatives africaines, pour que ces industries, ces cultures, deviennent véritablement viables, comme on peut le voir ailleurs? Est-ce que je continue? Allez-y, et puis je poserai la même question à Citabile et puis à Guiroum. Je crois que c'est une question de reconnaissance. Les États africains doivent reconnaître leur culture. Citabile en a très bien parlé. Il faut que nous reconnaissions notre propre diversité. Nous avons l'un des continents les plus divers du monde. Alors, et cessons de passer la chose sous silence. Mettons-la en valeur. Il faut pour cela donc appuyer la diversité de la culture. Cela veut dire mettre en place les réglementations appropriées. Il faut une stratégie pour donner des ressources à ces questions. Il faut déjà mettre en rapport les bonnes personnes, et cela au profit du développement des nations, du développement national. Il faut bien réfléchir à ce que cela veut dire pour ce qui est de la diplomatie culturelle africaine. La diplomatie, elle semble toujours aller dans l'autre sens. À Nairobi, nous avons une alliance française, nous avons un institut Goethe, nous avons un British Council. C'est merveilleux, c'est très bien, nous avons un village mondial. Mais quant à nous, qu'est-ce que nous avons à présenter en tant qu'Africains dans cette diplomatie culturelle? Je crois que la première étape, c'est la reconnaissance et la structuration de cette reconnaissance par le truchement des politiques appropriées, de la réglementation des ressources. Et cela doit nous mener à des mesures concrètes. Merci, Citabile. Je vois que vous hochez du chef. Je vous pose la même question. Je suis tout à fait d'accord avec Joy. Je vous remercie d'avoir si bien présenté la chose. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est peut-être vous rapporter ma propre expérience. J'ai travaillé avec la Biennale de Dakar pour ma fondation. J'ai travaillé activement à essayer de faire surgir depuis la base un réseau d'artistes gérés par les artistes ou de centres de résidence. J'ai coproduit et été commissaire d'exposition à une biennale assez récente, celle du Congo. Il y a eu beaucoup de difficultés et dans mon expérience, c'est essentiellement lié aux infrastructures. Les investissements doivent aller aux infrastructures. Il faut financer les arts, les artistes, les projets artistiques et il faut aussi songer à la préservation du patrimoine culturel. Lorsque je parle de préservation du patrimoine culturel, je ne vous parle pas uniquement du patrimoine hérité du passé, du patrimoine historique. Ce que j'ai noté tout au long de mes activités, c'est que au moins 80% des grands talents africains travaillent hors du continent, plus de 80%. Lorsque ces artistes mourront, leur travail restera en Europe. Ce n'est pas un travail, ce ne sont pas des œuvres qui sont rapatriées, parce que nous n'avons pas les infrastructures nécessaires pour les préserver et pour les promouvoir. C'est donc d'une extrême urgence. Voilà donc, à mon avis, la première destination nécessaire des investissements dans l'industrie culturelle africaine. Merci. Thank you. Merci. Peut-être que Guillaume pourrait répondre à la même question. Quelques derniers mots dans cette discussion.
Merci Loé. Joe et Sintabilé ont bien parlé. En réfléchissant à ce qui se passe dans ma ville en Éthiopie, en raison de tensions politiques, je vois que les efforts sont plus régionaux que nationaux. Par exemple, affirmer les cultures régionales selon les ethnies. Et il y a eu un effet de collaboration avec toutes les parties intéressées, le gouvernement étant le plus important, bien sûr. Et il y a d'autres efforts individuels, comme des centres culturels, avec des individus qui essaient d'intégrer certaines formes artistiques, comme la poésie, la musique, la peinture, les arts visuels. Il y a certaines personnes qui font cela, et c'est une initiative très personnelle. Mais cela ne suffit pas. Et nous devons pouvoir nous affirmer, nous présenter aux autres nations, présenter notre propre philosophie actuelle et culturelle, notre philosophie africaine culturelle, la philosophie africaine de la modernité. Nous devons intégrer tous ces efforts et nous réunir et travailler d'une façon intégrée pour faire, comme Joyce l'a dit au début, présenter une culture africaine contemporaine. L'idée de la formation culturelle africaine contemporaine est une grande idée. Notre culture n'est pas uniquement exotique. Comme Sintabilé l'a dit, il y a des difficultés à présenter son travail. Mais on ne peut pas considérer simplement qu'il s'agit de quelque chose d'exotique. Nous avons également des choses modernes. Nous vivons, nous sommes des artistes qui vivons dans notre époque actuelle. Notre art évolue avec le temps. Nous avons également notre philosophie, la philosophie de notre modernité et de nos racines. Donc il faut le raconter de notre point de vue, et non pas uniquement faire en sorte que ce soit étudié ou présenté par des centres culturels comme l'Alliance française, le Goethe ou le British Council ou d'autres. Nous devons participer. Et c'est la façon d'avancer. Merci. Merci à tout le monde. Merci également à notre équipe technique. Merci à Mme Duarte de nous avoir invités à cette manifestation. Et merci également au bureau du conseiller spécial pour l'Afrique et les Nations Unies. N'hésitez pas à suivre les autres manifestations en direct pendant cette série de dialogues africaines. Il y a des manifestations musicales et des groupes d'experts comme celui-ci. Je vous remercie.